Il y a des gens qui sont connus du grand public qui, en effet, ont beaucoup de choses à dire. Là, on a judaïsme, poésie, histoire, politique. On peut polémiquer, venir. Il y a vraiment des gens passionnants. Ouais. Et l'enthousiasme de ces auteurs qui viennent à la rencontre de leur public, de leurs lecteurs, je trouve ça passionnant. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous aimez les livres, vous aimez découvrir des auteurs, eh bien ne ratez pas l'occasion de venir les rencontrer en personne au deuxième salon des auteurs israéliens de langue française qui aura lieu chez Qualita le dimanche 3 juillet, toute la journée de 17h à 21h. Pour en parler évidemment, c'est l'organisateur ici présent, le créateur du fil d'Ariane, Michael Blum. Bonjour Michael. Bonjour Cathy. Alors vous avez plusieurs casquettes évidemment, on le sait, vous êtes journaliste, chroniqueur aussi chez nous, mais là vous venez pour votre amour des livres que vous avez depuis toujours. C'est vrai. Alors, au fil d'Ariane, qui est dans les locaux de Qualita, donc ici à Jérusalem, on vend des livres d'occasion. Donc c'est plutôt comme un bouquiniste. On vient, on cherche des livres. Il y a des milliers de titres. Il y en a vraiment pour tous les goûts, franchement. Pour tous les goûts. C'est des livres d'occasion, c'est-à-dire entre 15 et 30 shekels. Et en fouillant, on trouve à peu près tout ce qu'on veut dans à peu près tous les domaines. Que des livres d'occasion. Donc, Si je puis me permettre de préciser, en très bon état, ce qui est très agréable. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais oui, bien sûr, c'est en bon état, sinon on ne les vendrait pas. Voilà, alors à force de rencontrer les auteurs qui viennent aussi parfois vous déposer leurs livres et puis les clients, vous avez décidé de monter un deuxième salon. Voilà, alors en décembre dernier, alors qu'on était sur la fin de la crise du corona, on a quand même organisé un premier salon où quand même des dizaines de personnes sont venues malgré le corona, mais c'était l'hiver, etc. On était bien au chaud, mais on avait envie d'en refaire assez rapidement un autre parce qu'on a vu qu'il y avait du succès. Pourquoi le succès ? Parce que les gens ont envie, certes, de rencontrer des auteurs, et à Jérusalem, rencontrer des auteurs français, c'est pas évident. Donc on parle d'auteurs franco-israéliens, des gens qui écrivent ici, qui publient soit en France, soit à compte d'auteurs ici, qui écrivent en français et qui écrivent sur tous les sujets. Il y a une gamme d'auteurs assez large. Et cette rencontre, elle s'est faite en décembre et ça a beaucoup intéressé. Donc, on refait en juillet avec certains des auteurs qui étaient présents en décembre, mais aussi d'autres auteurs nouveaux. Il y a des nouveaux livres qui sortent. Il y a beaucoup de gens à découvrir. Beaucoup de gens à découvrir. Alors, avant de les citer, je vais préciser quand même qu'à 19h, il y aura une table ronde. Alors, est-ce que ce sera autour d'une thématique qui est présente sur tout le salon ou c'est juste la thématique de la table ronde, c'est-à-dire l'Algérie ? C'est très difficile de choisir un thème pour une table ronde. Déjà, on a une vingtaine d'auteurs présents. On s'est dit, on aimerait bien tous les entendre. Mais on ne peut pas faire une table ronde avec 20 personnes et on ne peut pas non plus faire ça sur 3 jours. Donc on a choisi un thème qui est l'actualité littéraire des auteurs qu'on a invités. Donc c'est l'Algérie, France, Israël, parcours d'écriture. On parle de 3 auteurs qui ont vécu en Algérie, en France et en Israël et qui, dans leur œuvre, parlent justement de ces 3 pays et qui vont nous parler en fait de leur identité plurielle à travers leur parcours dans ces 3 pays. Donc on va les citer, Jean-Pierre Ledo, cinéaste assez connu, Richard Darmon, bien connu des auditeurs de Qualita qui publie juste ces dernières semaines un livre autobiographique racontant l'histoire de sa famille de l'Algérie jusqu'à Israël, et le docteur Yosef Charvit qui est historien, spécialiste du judaïsme d'Algérie, qui a publié de nombreux livres sur le sujet. Voilà, alors ça, ce sera le thème de la table ronde, mais évidemment, il y aura beaucoup d'autres auteurs qui parlent d'autres choses, d'autres sujets, évidemment. Je vais tous les citer, comme la dernière fois. David Daniel Agou, Nelly Ben-Israël, Fabienne Bergman, Chaim Berkovitch, Abraham Blia, les livres du Rav Shaul David Bochko, Georges Bradstarter, j'espère que je n'ai pas écorché, Dr Yosef Charbit, on l'a dit, Ariella Shedboun, Richard Darmon, bien sûr, le rabbin Jacques Grunewald, Lionel Ifra, Sarah Krief, Magali Torza, Jean-Pierre Liedo, Pierre Lursa, Aurel Medioni, le docteur Yehuda Morali, Sabrina Rivka Doni, Richard Rossin et Richard Sidbon. Voilà, ils sont tous là.
Donc, ils seront tous là. J'espère, alors, oui. C'est ce qui est prévu, en tout cas. Alors, il y aura des séances de dédicaces. On pourra bien sûr, alors, ça se passe. En fait, vous rentrez, le public entre dans l'espace de Qualita, qui est grand. Vous le connaissez, mais pas tout le monde le connaît. Et les auteurs ont une place sur une table et peuvent dédicacer leurs livres, rencontrer des gens. Et il fera beau, donc il y aura peut-être aussi de l'espace dehors, le petit jardin en face des bureaux de locaux de Qualita pour aussi accueillir des rencontres, des discussions. Il y a du vin, une dégustation de vin tout au long du salon, vente de vin aussi pour ceux qui le désirent. Donc c'est une journée qui s'annonce, une journée-soirée plutôt, fin de journée festive, un dimanche, moment de sortir, de faire des rencontres, de venir entre amis. Et puis ça finit pas très tard, on peut prolonger la soirée ailleurs. Et donc c'est un moment culturel, mais pas seulement à Jérusalem. Non, et puis en plus les auteurs, certains vraiment sont passionnants, franchement. Ils ont un parcours extraordinaire. Certains sont moins connus, mais sont pas moins passionnants. Mais il y a des gens qui sont connus du grand public qui en effet ont beaucoup de choses à dire. Là, on a judaïsme, poésie, histoire, politique. Il y a un peu de tout. On peut polémiquer, venir. Il y a vraiment des gens passionnants. Ouais, et pour moi, c'est un privilège de pouvoir recevoir autant de gens et l'enthousiasme de ces auteurs qui viennent à la rencontre de leur public, de leurs lecteurs, leurs futurs lecteurs souvent, leur enthousiasme parfois des gens qui sont assez âgés, quoi, pour qui j'ai énormément de respect, des universitaires, des gens qui ont une longue carrière derrière eux, souvent en France, qui sont en Israël depuis quelques années, et qui viennent ici partager leur vécu avec le public. Je trouve ça passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et puis en plus, ce qui est très sympa, vous avez décidé pour tout livre acheté, il y aura un livre d'occasion offert, ça c'est aussi sympa. Donc on peut acheter un livre neuf dans des auteurs. Voilà, et en profiter pour découvrir à l'étage le fond du livre du fil d'Ariane, où donc je l'ai dit, des milliers de titres disponibles à la main. Des policiers, des essais, des BD, il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, bravo pour l'initiative. Je répète la date, le 3 juillet de 17h à 21h, table ronde dès 19h. Si on veut plus de renseignements, on peut vous appeler ? Bien sûr, le WhatsApp est sur l'affiche et vous pouvez donner mon numéro. Alors 052 383 69 35, voilà. On précise que la table ronde sera animée par Carole Azoulay, puisque ActuJ est partenaire du salon. Tout à fait, Actualité Juive, c'est le partenaire, ils seront là, il y a possibilité sur place, je suppose, Carole le dira, de s'abonner, peut-être des cadeaux, peut-être des abonnements gratuits, on verra ce D'accord. jour-là. D'accord, alors merci d'avoir été avec nous. Et puis, merci Cathy, bonne chance pour le accueilli. Salon. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.